Bonjour tout le monde, c'est Ti. Aujourd'hui, on se retrouve pour une visite de parc. Ça fait un moment, ça fait une semaine qu'on n'en avait pas fait à cause du DLC. Et j'étais très impatient parce que vous m'avez envoyé des zoos et j'avais des zoos en retard aussi à visiter que j'avais dit que j'allais faire. Du coup, on va essayer de rattraper notre petit retard. Et on va commencer aujourd'hui par un zoo français, la commanderie de Mistimini. On m'a conseillé ça sur un live où j'étais. On m'a dit tu devrais visiter ce zoo. Il est vraiment très beau. Et j'ai regardé les screens et vu que c'est un petit château, moi je suis aux anges. Ah, c'est la contrôleuse, tiens. Et regardez ça. On est aux abords d'un château. Ah, ça c'est très beau ça. Ça c'est très beau. Oh, un canon. Oh, plutôt stylé. Ah, tonneau poubelle ça? Ouais, tonneau poubelle. Le petit chaudron, la petite tente avec les petits coffres et tout pour que ça soit. Ah, propre, très très beau. Oh là là, ah bah ça commence bien. Et on a un enclos direct à gauche où on peut voir les damas damas. Oh, regardez là cette belle vue. On a une très très belle vue. Et là on a les damas damas. Donc je pense, d'accord, je pense qu'on verra mieux de l'intérieur. Mais en tout cas, ah, le château très joli. Partie en bois était existante, oui, tout à fait. Historiquement, oui, c'est juste, hein. La porte est magnifique. Combien de pièces dedans? 20, ok. On arrive. Ah, c'est dommage. C'est un peu au-dessus, c'est pas grave. D'accord. Il y a les remparts et tout. Alors moi je visite tout parce que les châteaux j'en ai visité tellement, je vous raconte pas. J'adore ça. Hein. J'ai la chance de pouvoir vivre dans les Pays de la Loire. Donc niveau château, j'ai Chenonceau qui est à côté de chez moi. Je suis servi. Là, la petite herse là. Et là on arrive donc dans l'enceinte. Enfin on va arriver dans l'enceinte. Il y a des petits canards qui nagent. Les chevaux de Przewalski ici, donc il doit avoir une écurie. Et on a un domaine très très beau. Franchement, oh, c'est une meurtrière ça ou pas? Ah, c'est pas une meurtrière, je sais plus comment on appelle ça. Mais en tout cas, c'est vraiment très propre. Et là, les gens en fait pouvaient jeter de l'huile bouillante ou autre. Autre saleté sur les individus qui arrivaient ici, les envahisseurs. Avant, oui, on faisait beaucoup la guerre pour un territoire, pour un petit château, je sais pas quoi. Et c'est vraiment très bien fait. Hein. Oh là là, c'est beau. C'est très très beau. Et là, donc, on arrive au château, à l'enceinte du château avec les enclos. On a à l'auberge à gauche, alors vous savez, moi je vis toujours à gauche quand je visite un zoo. Et on va visiter ça. On a l'auberge au Lion d'Or. Donc on doit avoir. Donc là c'est le restaurant, mais il doit avoir. Voilà. On a. Oh, une jolie petite. Petite auberge. Très plaisant. Très très sympa. On a un étage avec d'autres lustres là. J'en ai fait aussi des lustres comme ça, mais pas sur les eaux que vous connaissez. Et c'est très pratique. J'adore le drapeau rouge avec les pompons là. C'est vachement bien fait. Ah, il y a une autre partie ici avec la cheminée et on peut voir les poutres apparentes. C'est génial. Très bien fait. C'est très très bien fait. Alors, ils sont montés. D'accord, c'est pour voir les damas damas. Donc, l'enclos qu'on a vu de l'extérieur. Et là, on peut le voir, pardon, à partir des remparts. Et on a un enclos plutôt stylé. Pas mal de végétation. Là-bas, il doit avoir leur abri. Oui, franchement,
Joli, hein? Le pont, il est magnifique, j'adore la structure du pont. C'est tout bête, mais franchement, c'est hyper bien fait, c'est vraiment... Oh! Y aurait-il un autre animal ici, ou les damadamas peuvent rentrer dedans? À mon avis, il n'y a pas que les damadamas, puisque ici, vous voyez, il y a quelque chose pour le sang. Et les damadamas, jusqu'à présent, ne mangent pas... À quoi qu'il y a des damadamas que j'ai vu manger des hérissons ou des souris. Donc je ne sais pas. Là, il y a un terrier. Donc il y a du blaireau. Blaireau, renard peut-être. Renard. Et comme quoi... Hein? On a l'œil, hein? Et les remparts sont hyper beaux. Un rempart? Oui, un rempart. Ils sont hyper beaux. Oh, une petite roue, là, il y a un moulin. Ah, j'adore. J'adore tout ce qui est médiéval. C'est vraiment un truc très, très sympa. Comme les fêtes médiévales, j'adore y aller. Étrangement, j'aime les fêtes médiévales, mais j'aime pas les fêtes au sud, là, avec les chansons bizarres, là. Faut pas chercher. On a ici un herboriste. Ah, c'est le... D'accord. Oh, la petite caméra. Ok, il y a le renard, là. Et la petite caméra... Ok. On va avancer. Plein de stands de nourriture. Avec des tables de pique-nique ici. Donc par là, on a vu l'enclos des renards, on a vu l'enclos des étains. Par ici, on a la salamandre, apparemment. Ok. Là, ah... Pour enchaîner les gens qui avaient volé. Qui ont volé. Ici, on a la prison. Alors, voyons voir si la prison est aussi bien que ma chambre cachot. Oh! Oh! Elle a pensé pour faire les petits besoins, là. C'est génial. Ah, là, c'est la quarantaine. Ah, prison quarantaine! Ah, pas mal. pas mal. Et là, on a les cachots. Ok. C'est pas mal. J'aime beaucoup. J'aurais mis un petit truc de torture, histoire de pouvoir faire mimuse avec les prisonniers, mais c'est pas mal. J'aime bien. Alors moi, vous savez, j'ai une passion porte. Après la passion chevaux, c'est Squib passion porte. Et j'adore passer par les portes pour voir ce qu'il y a. Quand il y a quelque chose, je suis toujours très content. Oh, des tonneaux! Voilà, vous voyez! Je vous avais dit qu'il faut traverser les portes. Et là, donc, on a la réserve de vin. Ok. Je sais pas comment les tonneaux ont fait pour passer, mais... Et là, on a les latrines. Ok, comment t'as fait les toilettes? Ah bah oui, ok. Je m'attendais à, vous savez, les toilettes du Moyen-Âge, c'est-à-dire les longues plaques de marbre avec des trous au milieu. Et vous avez votre besoin là-dedans. La petite cheminée, ok. Ah, je suis content de reprendre les visites de zoo et franchement, on fait avec un beau zoo là. C'est vraiment très très beau. Je suis vraiment très content. Oh! Ok, ça sort par là. Ah, c'est vrai que les routes, c'est pas facile à cacher, mais je vois qu'il y a de l'effort. Franchement, c'est trop trop cool. Trop trop cool. Ah oui, mais vous connaissez, hein, moi je vais tout regarder. Maintenant, je sais qu'il y a quelque chose derrière les portes par moment. Ah oui, c'était le truc de là-bas. Oh non, ça j'aime pas par contre. Je suis vraiment toujours pas doué quoi. On va faire le long de la rambarde, hein, du coup. De la rambarde. Du rempart. Si, bien sûr, ça veut bien me faire monter. Mais ça ne veut pas. Ah, je vous jure.
Donc là, on retourne bien à Odamadama. Là, on a une petite place très mignonne. C'est quoi ça? Cellier. Ok. Oh, on a des canons là. Ah, je suis vraiment désolé, mais je crois que je vais passer en mode. Je suis libre, je vais pas aller trop vite. On a des jolis canons. Alors, ouais, faudrait éviter de tirer sur, sur l'enceinte. On va descendre. C'est lié. Ouais, donc c'est un point de vente et là il y a. Ok. Plus propre. Enclos dépend et restaurant par là. Alors ici. Waouh! Ah, c'est pour les réceptions de mariage ici! Ah oui, et là c'est quoi? C'est une écurie, non? Ouais, ça a l'air d'être une écurie. Ok. Et là-dedans? Ah, regardez comme c'est beau. Oh là là. Très très beau. Vraiment très très beau. Ah, j'adorerais prendre un petit verre là. Là, on a les latrines encore. Oh! Waouh! Une statue. Une statue d'une reine. Alors, pour moi, c'est une reine. Hein. Je vois qu'elle a de la poitrine. Que sa robe, elle est plutôt. Ah, c'est en fait les froufrous qui vont jusqu'aux manches avec la dentelle comme ça. Normalement, c'est costume de femme. Même si pour le théâtre, les hommes s'habillaient comme ça, mais même avec la coiffure, c'est. Oh, le drapé là est magnifique. Pour moi, c'est une femme. C'est cool. C'est vraiment très très beau. Bravo. Bravo, là je suis fan. Restaurant la Dame Blanche. Ah bah voilà, c'est peut-être le restaurant de la Dame Blanche. Et du coup où c'est qu'on mange? Où c'est qu'on. What? Ah, je m'en souviens, c'est oh ouais, c'est au château de Chenonceau. Alors attends, c'était passé par là. Je crois que c'est au château de Chenonceau. J'y suis allé juste avant les fêtes de Noël. Il y avait une table comme celle-là, sur toute la longueur là, avec la cheminée au fond. Et il y avait la reproduction des différents plats sur le machin. Ça donnait envie avec du faisan, du poisson. Il y avait du sanglier. Il y avait énormément de choses. C'était magnifique. On était avec. C'était une visite guidée avec un cuisinier. Enfin, il se faisait passer pour un cuisinier du temps des rois, etc. Et il nous racontait ça, c'était magnifique. Et il disait que les plats, en fait, quand on voyait des plats super beaux comme celui-là, par exemple, ou que on voyait un faisan plumé, etc. Enfin, que vous voyez le faisan, mais avec toujours la tête, les plumes, etc. C'était juste pour montrer à quel point le cuisinier était doué dans ce qu'il faisait et pour faire en sorte que la table soit magnifique. Et là, franchement, c'est trop trop beau. Moi, j'adore. Ah, ça, c'est les petits. Mince, c'est pas les bureaux, c'est. J'ai oublié les noms. Mais. C'est sublime. Avec les petites armoiries. Oh. Est-ce que c'est une sorte de salle de trésor ou pas? Oh là là. J'adore. Honnêtement, je suis hyper content. Ça fait trop plaisir de voir, de pouvoir traverser des portes et de voir des comment ça s'appelle? Pas un décor derrière quoi, des scènes. C'est vraiment hyper plaisant. Et donc là, on va arriver à l'enclos pont, si je ne dis pas de bêtises. Chemin des remparts. Ok. Oh, c'est très très joli. Les petites fontaines.
Waouh. Regardez ça. Magnifique. Magnifique. L'enclos Pan. Donc, un grand espace avec la nourriture au milieu, puis plein de compositions florales. Oh! Attends. Je suis intrigué. Ah oui, d'accord. Bien joué, bien joué, bien joué. Je m'attendais pas à ça. Je me suis dit, quoi? On peut changer la couleur des feuilles mortes? Mais non, c'est le parterre de fleurs qui est mis en bas. Et franchement, c'est très très bien joué. On avance. On a les meurtrières qui sont là. C'est vraiment très beau. Petit hommage au pan, des armoiries, des blasons. Ok. Les petits canons dessus. C'est pas ce que je veux faire. Très très joli. Ah le canal là. Chemin des remparts, jardin du vivarium, chemin des remparts, enclos des pans. Ok. On continue. Latrine. Nous, on va continuer le chemin des remparts. Qui est par là pour voir le magnifique clocher qu'il y a là. Alors, c'est une église. Donc, on va voir les vivariums là, apparemment. Chemin des remparts, Prevaski Horse. Ah, c'est oh, en anglais? Ok. On visitera l'intérieur après, vous en faites pas. Ah, il est là l'enclos Prevaski. Ah oui! Ok. Donc, un petit air là. Quelques arbres, ok. De l'autre côté, c'est quoi? Oh, oui. Je sais pas comment on appelle ça, un centre équestre. Enfin, une prairie pour chevaux, voilà. Très sympa avec la petite rambarde qui fait plaisir. C'est très sympa. Du coup, on va descendre. J'adore la petite clôture. Magnifique. Il y a des petites tentes et tout. Donc là, on a vu l'auberge. Alors, on va aller là et puis tourner au fond, mais en restant en dessous des remparts. Donc là, Boris, là, ça on avait vu. Ici. La salamandre. Là, on a quoi? On a des latrines encore. Ah, les scènes sont... Oh, fais voir le puits, comment il est fait? Oh! Oh, propre. Là, c'est pour les chevaux, je pense. Oui. Je pense que c'est pour les chevaux. Ah, la maison là, regardez comme elle est belle. Oh, magnifique. Magnifique. Et d'accord, c'est ça. Place des artisans. Donc là, on a les faux. Ah oui, d'accord, ok, je vois. C'est. Oui, ok. Je sais pas comment l'expliquer, mais je vois ce que c'est. Comme un marché. Le problème, ce sont des artisans qui sont tout autour de la place. Il y a les fours. Du potier, du forgeron qui sont au centre de la place, et comme ça ils peuvent faire leur taf tranquillement. C'est plutôt cool. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Oh, une petite boulangerie? Une petite boulangerie? Ah, dans la latrine. Donc, ça c'est des bretzels, et ça c'est je sais pas ce que c'est. Là, c'est le marché. Ah, la poterie, classe. Classe, classe. C'est très, très beau. Ah, on reprend fort la reprise, on reprend fort. Là, c'est l'herboriste. Là, c'est le maraîcher. Ok. Là, c'est oh, le déco. Il n'y avait pas spécialement de déco, je crois.
dans ce temps-là, mais vu que c'est juste enfin, c'est pas dans le passé, quoi. Oh, waouh. Et là, l'église. Donc ça, on a le bénitier, si je dis pas de bêtises. Vous savez, c'est l'eau bénite. Vous dites Ave Maria, machin truc. Enfin, selon les régions. Moi, j'ai eu du Ave Maria, j'ai eu Jésus, machin truc. Ou béni soit, machin. On a l'autel avec. Ah, franchement, les vitraux sont classe. Et c'est dommage qu'on n'a pas plus de parterres, enfin de murs décorés comme ça qui sont très beaux. Mais j'aimerais bien en avoir d'autres, moi. Donc on a l'autel pour le serment. On a notre bénitier là. Ouais. Alors il y a un truc qui manque dans cette église. C'est un truc tout bête. C'est les cierges. Il y a toujours à l'entrée ici une table avec des cierges, énormément de cierges. Vous pouvez mettre une petite pièce pour justement allumer un cierge qui en fait est pour faire une prière pour qu'elle puisse être au moins un petit peu exaucée ou qu'elle aille dans le sens, donner un peu d'espoir ou tout simplement pour le Seigneur quoi. J'essaie de me remémorer mes petites visites. Et donc là, on a la coin des terrariums. On a les escargots géants, le scarabée sacré et un serpent. Crotale diamantin. Je sais plus. Et je vais pas réussir à sélectionner le vivarium. Si, vipère heurtante. Oui, vipère heurtante. Ok, par là il y a quoi? Ah, moi je fouille tout. Moi je suis j'adore le parc là, je veux tout voir. Hein. Je vous le dis direct. Même si ça prend 5 heures, on regardera tout. Donc là on a les canaux. Donc par là on a fait avec. Alors là c'est les canaux de teinture. C'est pour faire la teinture. Lonely Plumes, restaurant Enclos des Pins. Donc là, on a, à mon avis, ça c'est les pigmentations, les pigments. Là, ça chauffe. En bouillant avec l'eau, ça fait l'eau teinture, ça fait teindre les vêtements. Et puis ensuite, c'est mis là-bas au fond. Si je ne dis pas de bêtises. Ah, c'est l'enclos des pins. Ok. J'ai l'impression qu'on a vu tout ce qu'il y avait à voir dans l'enceinte. On va aller voir à l'extérieur maintenant. Là, c'est quoi? Là, c'est pareil, c'est la teinture. Et on a une roue avec une grue ancienne pour faire monter les paquets. Propre, très très beau. Que de talent dans ce zoo. Donc là, on retourne ici. Là, c'est là. La fameuse dame blanche qui est magnifique. Le jardin des paons. Ah, je crois qu'on a tout vu. Il faudrait que j'aille dehors. On va prendre de la hauteur alors. On va prendre de la hauteur en mode vue libre. Donc là, on a tout vu. Là, on a vu, ça, on a vu. Ça, magnifique, on l'a vu. Chauve-presqu'île, on a vu. Ici, on a tout vu, tout vu. Là, on a tout vu. Il y a quoi ici? Ah oui. Là, on a tout vu. C'est sublime. Franchement, bon boulot. On va voir l'extérieur parce que j'ai vu des trucs à l'extérieur. Genre, par exemple, là, on dirait un moulin à eau. Et donc là, on voit de la farine, peut-être? Je ne sais pas. D'accord. Oh, c'est beau. Le petit bras de rivière qui passe là. Ah, c'est une source, ça?
Peut-être. Et là, regardez le château. On a des les cônes, on a différentes toitures. Non, mais c'est très très beau. Magnifique. Et là, on a un petit chemin. Est-ce qu'il n'y aurait pas des petits blaireaux qui traînent? Regardez, il y a du bois et tout. Non, mais... Il y a le respect du détail. Et franchement, c'est très très beau. J'espère que j'ai rien oublié parce que ça, je m'en voudrais. Et le truc est vraiment magnifique. Le petit zoo est vraiment magnifique. Je sais pas quoi... Ah, ouais. Magnifique. Hop, la petite miniature. Franchement, bravo. On va juste regarder de nuit parce que j'ai vu énormément d'éclairage. Ouais. Très très propre. Très beau. Oh, regardez le... La décoration du toit est magnifique. Sublime. Mélange de violet, de rouge, d'orange. C'est vraiment du bon boulot. Et du vert. Bravo, bravo. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Le lien est là dans la description si vous voulez visiter le zoo. C'est la commanderie de Misty Mini. Et c'est du très très beau. C'est du très propre. Bravo, bravo, bravo. Je le recommande vivement. Bref, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.